Yo les potos, c'est Tamklimpo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur la chaîne, donc pour un tuto des nouveaux gestes techniques de FIFA 17. Donc voilà, donc déjà je voulais dire pour le micro, déjà c'est pas mon micro habituel, hein, c'est pas le Turtle Beat. Là je filme, enfin je m'enregistre avec mon portable, donc voilà, je sais pas ce que ça va donner, hein, j'espère que ça va être pas trop dégueulasse non plus. Mais voilà, j'ai pas pu faire autrement sur le moment, du coup voilà, j'espère que ça va pas être trop dérangeant. Enfin bref, vous n'êtes pas venu ici pour que je vous dise ça, vous êtes venu pour les gestes techniques. Donc on va tout de suite commencer avec le premier geste technique qui est le Okocha Flick. Donc le Okocha Flick, c'est vraiment le plus impressionnant et le plus facile à faire. Voilà, donc c'est plutôt bien pour les skillers. Donc en gros, c'est vraiment très simple, vous allez voir vraiment la petite animation là, qui va vous le montrer. Et donc c'est vraiment très simple, vous avez juste à maintenir la direction dans lequel vous voulez que ça se fasse. Alors vous maintenez avec le joystick droit la direction et c'est tout. Après vous attendez une seconde et c'est bon, ça le fait direct. Donc voilà, c'est vraiment très très pratique. Ensuite, le deuxième geste technique, donc c'est le V-Drag Move. Donc voilà, déjà c'est tiré de l'anglais, du coup c'est pas vraiment, bah c'est un peu comme une feinte de frappe. En gros, c'est comme une feinte de frappe, sauf que déjà c'est deux fois plus stylé, il faut le dire. Il faut être à l'arrêt du coup pour la faire, comme d'ailleurs le coach Afrique et tous les gestes techniques de cette vidéo. Donc tous les nouveaux gestes techniques de FIFA 16, c'est un peu le point faible d'ailleurs, qu'on est obligé d'être à l'arrêt pour les faire. Enfin bref, du coup, ce V-Drag Move, comment on le fait? Donc comme vous montre l'animation, vous devez donc être à l'arrêt, vous faites la fente de frappe tout en maintenant le bouton pour accélérer. Et du coup, bah, vous, avec le joystick, vous faites la direction dans laquelle vous voulez aller, hein, tout simplement. Du coup, c'est quand même assez simple. De toute façon, les nouveaux gestes techniques sont vraiment très simples cette année. C'est vraiment du stylé. Et donc, pour le troisième et dernier nouveau geste technique de FIFA 17, nous avons le Neymar Step Over. Donc, c'est quoi? Donc, c'est tout simplement un passement de jambes, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est vraiment très sympa à réaliser, enfin, c'est même un peu plus stylé qu'un passement de jambe normal, et c'est vraiment tout aussi simple de le réaliser d'ailleurs comme tous les gestes techniques, hein, de ce FIFA 17. Tous les nouveaux gestes techniques sont vraiment très simples cette année, et du coup profitez-en, hein, pour ceux qui sont pas très très forts. Voilà, ils n'ont pas non plus un excellent niveau pour les faire, pourtant ils peuvent être très dévastateurs et très impressionnants. Donc voilà, ah oui, j'ai oublié de préciser pour les joueurs PlayStation, du coup pour les fins de tir ou de passe, pour ceux qui auraient des trous, c'est carré plus X ou rond plus X. Voilà, là j'ai que des animations de Xbox, du coup voilà, j'ai pas pu faire autrement. Et voilà, donc c'est ici que s'achève ce tuto donc pour les nouveaux gestes techniques de FIFA 17. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Les gars, c'était Tamklimpo, prenez soin de vous, bye tout le monde.